Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode de En Bref avec Éric Landau. Bonjour Éric Landau. Bonjour Stéphane et bonjour à toutes et à tous. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Comment sécuriser la prestation de services intégrés que tout le monde connaît sous son petit nom anglo-saxon de in-house. Ok, très bien. Alors, donc, qu'est-ce que c'est justement donc la prestation de services intégrés? Est-ce que tu peux nous en Eh donner bien, une l'idée, c'est définition? que quand tu vas faire appel, toi, si tu es une personne publique, ou en tout cas un pouvoir adjudicateur, hein, c'est un peu plus large. Est-ce que tu vas mettre les gens en concurrence quand tu choisis tes prestataires? Bah ouais, c'est la cote de la commande publique. Bah voilà, bon. Ah bah ouais, mais tu ne te mets pas en concurrence toi-même. Donc si tu as une structure que tu contrôles et qui bosse pour toi, eh ben toi, tu ne la mets pas en concurrence, mais elle, du coup, se verra appliquer les règles de la commande publique. Donc, il y a deux conditions cumulatives. Le bénéficiaire du service doit exercer sur son fournisseur ce qu'on appelle un contrôle analogue. Là, je le contrôle comme mes propres services. C'est ma société, mais je suis chez moi, c'est ma société publique locale, c'est dans certains cas ma régie, etc. Et elle-même bosse principalement pour moi, donc l'essentiel de son activité, précisément en droit français, est fait pour moi ou pour là où les personnes qui le détiennent. Dans ces cas-là, je suis en prestation de services intégrés, in-house. D'accord. Est-ce que c'est le seul régime pour éviter que les règles de mise en concurrence aient de publicité? Voilà. Ou est-ce qu'il y a S'applique, d'autres voilà. possibilités? Alors d'abord, tu as des cas où tu n'as pas de in-house. Tu as des tas de domaines où le code de commande publique ne s'applique pas, des types de contrats où ça ne s'applique pas. Donc parfois, je peux avoir des contrats entre personnes publiques, voire personnes publiques et privées, sans exonérer de règles de concurrence et de publicité. Ça, c'est une première chose. Je peux parfois avoir des conventions publiques-publiques d'échange qui sont prévues aujourd'hui dans le code de la commande publique et qui viennent d'une jurisprudence, pour l'essentiel du droit européen, notamment une jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne qui s'appelle Déchets des Hambourg, qui fait que je peux être exonéré de concurrence et publicité quand je suis entre personnes publiques. Alors, si je prends en compte tous les paramètres, y compris ce droit européen, je te dirais en gros que c'est quand je vais me faire des prestations qu'elles peuvent être potentiellement dans les deux sens et que je vais faire des économies d'échelle, mais pas de bénéfice au passage, et pour un objet d'intérêt général avec une gouvernance publique. Là, je simplifie à très gros traits. Donc, premier cas, il y a des cas où le droit de commande publique s'applique, enfin, de la concurrence et publicité ne s'applique pas. Deuxième cas, j'ai ce truc public-public qui permet beaucoup de choses. Dans d'autres cas, j'ai ce qu'on appelle des droits exclusifs. Tout à l'heure, je citais les régies qui peuvent intervenir parfois en droit exclusif, parfois en in-house. C'est-à-dire, par exemple, beaucoup de GIP, c'est pas que je suis en in-house, c'est que j'ai un texte unilatéral qui a dit ça, c'est plus toi qui le fais, c'est un tel. Voilà. Bon. Et le GIP, bien que ce soit à la base un contrat, peut être dans ce cadre-là. Donc là, tu as des tas de cas. C'est beaucoup de contrats que tu vas donner à ta caisse des écoles, à ton CCAS peuvent relever de ce régime-là. Donc il y a des tas, plus de cas qu'on ne le croit. Et puis tu as par exemple, toute une série de, je sais pas moi, de domaines qui ont été donnés au groupement d'intérêt public, au GIP, l'Agence nationale du sport, se sont faits par des modifications d'articles du code du sport, et du coup c'est bien le GIP qui l'a. Et là, en ce cas, c'est un droit exclusif. Et puis le INANS, où là j'ai un vrai contrat. Mais le mec, il bosse pour moi et je le contrôle. C'est clairement dit, effectivement. Est-ce que le in-house, pardon, peut se faire avec une structure où siègent des personnes privées? Alors, en 2005, la Cour de justice de l'Union européenne, dans une décision Stadt-Halle, nous dit que non. Donc, pur public. C'est là qu'on s'est dit que la position française des sociétés d'économie mixte n'était plus tenable, puisqu'il faut bien les mettre en concurrence. Sauf si c'est elle qui va créer son activité, je simplifie. Le droit européen, entre-temps, s'est assoupli, permettant qu'il y ait potentiellement un petit peu de personnes de droit privé dans l'ensemble, mais ce n'est pas incorporé en droit français. En gros, si je suis dans le monde des collectivités territoriales, l'idée de dire, ah, mais non, je vais donner des contrats sans mise en concurrence à MACEM, bah oui, si je suis dans les exceptions qu'on évoquait tout à l'heure, mais pas autrement. En revanche, cette évolution du droit européen, depuis l'arrêt Stadt-Halle, permet que, par exemple, je puisse donner des contrats à des GIP dans lesquels j'aurai parfois des personnes privées, parce que là, c'est possible. Mais dans le cas des sociétés ou des sociétés de l'État, nous, on fait des montages en in-house, y compris avec la Caisse des dépôts, par exemple, parce que c'est possible en droit national. Mais dans le monde des collectivités territoriales, malheureusement, il reste des blocages législatifs qui font qu'on n'a pas utilisé toutes les souplesses sur ce point du droit européen.
Alors, bon, à ce moment de notre petite émission, est-ce qu'on peut, voilà, est-ce qu'on peut relister et reprendre les critères avec celui de l'essentiel de son, entre guillemets, hein, de l'essentiel de son activité avec là ou les personnes qui la détiennent. C'est du 100%, Eric? Oui, c'est ça, tu as deux critères. Donc, tu as le critère de, ah, ben, il fait l'essentiel de son activité avec là ou les personnes qui la détiennent, d'une part, et d'autre part, ce qu'on appelle le contrôle analogue. Et si on s'arrête sur ce premier critère, la question est souvent de savoir si c'est 100%. Alors, si pareil, le droit français est plus rigide que le droit européen au nom du droit européen, comme souvent. Donc, pour les sociétés publiques locales et les SPLA, c'est la même chose en aménagement. Bah, la réponse est oui, il faut que ça soit 100%. Parce que le législateur a été plus strict que ce qu'imposait le droit européen. C'est très con, mais c'est comme ça. Et dans les autres cas, je ne sais pas moi, une agence technique départementale, est-ce qu'elle peut bosser que pour le département et ses membres? Ah bah non, elle peut faire 20% pour des non-membres. Je ne parle pas des... Je parle bien des agences techniques départementales, il y a deux cas juridiques. Bref, tu as des tas de cas où, allez, je fais 80% des activités pour mes membres, ça me laisse 20% de hors-piste, sous réserve que j'ai le droit, que mes statuts le prévoient, enfin, sous toute une réserve, toute une série de conditions comme ça. D'accord, très bien. Il faut bien savoir le décompter et l'anticiper, je suppose. Tu peux nous parler un peu du critère du contrôle analogue qui est très important. Ah bah c'est le plus compliqué et le juge français a été le juge. Là c'est le juge, là c'est pas le législateur qu'on va câbler. A été plus strict que beaucoup plus strict que ce qu'exigeait le droit européen. En fait, à la base, tu avais une petite commune belge qui fait partie d'une coopérative belge, mais toute petite, noyée dans une grande coopérative. Et la commission ou des tas d'autres fâcheux disent « Ah bah non, vous respectez pas le INANS parce que vous n'êtes pas me dire que toi, petite commune, tu contrôles la grosse coopérative. Donc non. » Et réponse « Bah si, je suis en ce qu'on appelle le INANS par commandance. Moi tout seul, mais avec mes autres copines communes, on a une gouvernance démocratique. Donc moi, j'ai beau être noyé dans l'ensemble, ce truc-là, on le contrôle à nous tous. Donc il faut arrêter vos bêtises, on est bien au INANS. » Réponse de la Cour de justice européenne dans l'arrêt Coditel-Brabant. On est bien au INANS. Ce truc-là, c'est important parce que ça déverrouille des tas de mécanismes, y compris une mutualisation entre communes et interco. Hein. Donc, cette décision. Donc, OK. Donc, notamment, ce qu'on appelle les services communs, quand la gestion unifiée de services à l'époque. Donc, bref, bah, moi, je peux être tout petit, mais je contrôle la grande coopérative parce qu'il n'y avait pas de personnes privées dedans et parce qu'on était entre personnes publiques et qu'on avait une gouvernance démocratique entre nous. D'accord. Patatras, le Conseil d'État dit « Oh, mais non, mais moi, je vais être plus royaliste que le roi, ou en tout cas que l'Union européenne. Je vais dire que si j'ai une petite commune dans une SPL, dans laquelle je n'ai pas une personne privée non plus, dans laquelle j'ai une gouvernance démocratique aussi, hein, donc purement même mode d'emploi, hein. Oh, ben non, la petite commune, tu ne vas pas me faire croire qu'elle contrôle ça comme ses services propres. » Bah, il s'assoit sur l'arrêt Coditel-Brabant, en fait, au Conseil d'État, quoi. Bon, d'accord. Bon, alors, est-ce que le Conseil d'État a raison ou pas? On peut en discuter parce qu'on a le droit, en droit français, d'être plus strict que le droit européen sur ce genre de choses. Est-ce que c'est intelligent? Là, on pourra en discuter longtemps, mais je risquerais de devenir malpoli, donc on va passer. Parce que du coup, c'est très compliqué. Alors, quelles sont les solutions, du coup? Parce que ça veut dire que si tu fais une SPL, par exemple, avec, je sais pas moi, trois intercos, deux communes, je sais pas, un département, une région, enfin, ce que tu veux. Bah, celui qui a, je sais pas, 51% des sièges, etc., il y a pas, il est en finance, lui c'est bon, ça va, t'es tranquille. Voilà, il n'y a pas d'autres personnes privées, encore une fois, par les collectivités territoriales, c'est 100%, hein, pour l'État, c'est un peu plus subtil. Il est chez lui, quoi, ça va. Bon, donc il est bien, il y a contrôle analogue. Pour peu que la structure bosse principalement, ou, dans le cas des SPL, SPLA, 100% pour les actionnaires, collectifs actionnaires, on est bon. Mais celui qui a 5%, 10%, bah, en droit européen, décision que dit-elle Brabant, c'est bon, il est chez lui, il est en contrôle analogue, tout va bien, du moment que la structure BOSS fait l'essentiel de ses activités pour les actionnaires, publics, les collectivités publiques actionnaires, mais j'ai la REM Arsenal à la côte. Alors, comment s'en sortir? Tu as des gens un peu radicaux ou très prudents qui disent, bah, du coup, les actionnaires minoritaires peuvent rien faire. Non, c'est pas vrai. Enfin, c'est pas vrai. C'est une vision très, 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 très pessimiste tout de même. Simplement, il faut être un peu plus habile que ce qui avait été fait dans l'affaire Marcenet-Lacotte. Il faut prévoir le contrôle INANS, donc le contrôle analogue, dans les statuts. Surtout, et notamment pour les agences techniques départementales et les SPL, etc., il faut bien
que dans le contrat, on prévoit le contrôle analogue. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit une prestation de service classique, je dis, le bénéficiaire peut faire des modifications comme il le ferait avec ses propres services, peut accéder à toutes les pièces, il peut tout changer. Il arrive, il dit, voilà, on est sur un contrat qu'on peut avenanter librement, il est comme chez lui, quoi. Le mec, il donne des ordres, etc. Simplement, on lui fera payer ce qu'auront coûté ces changements d'humeur, pour bien montrer que, ouais, je suis bien Winners. Il y a un truc auquel il faut penser, c'est qu'on peut, dans ces sociétés, si on parle de sociétés, hein, si on ne parle pas d'autres structures publiques, parce qu'il y en a d'autres, de faire un pacte d'actionnaires. Et là, on va renforcer à fond le fait qu'on est bien en contrôle analogue. L'organisation de comité, enfin bref, il y a beaucoup d'astuces pour renforcer qu'on est bien en finance, même pour les tout petits actionnaires ou les tout petits membres, dans le cas d'autres structures, je ne sais pas moi. JIP, ATD, etc. Et dans ces cas-là, c'est bon, on s'en sort, mais avec beaucoup de prudence et même, je dirais, de subtilité juridique qui n'est pas toujours comprise, en tout cas pour lequel il y a un travail pédagogique à faire. D'accord, très bien. Et avec tout ça, il suffit donc de l'écrire, quelque part, ça permet de mettre en place cette protection. Voilà, mais souvent les gens se disent, on va faire ça dans les statuts. Non, non, ils prennent des statuts de société classique. Non, il faut que les statuts d'une SPL ou d'une SPA ou a fortiori d'autres structures plus exotiques ressemblent pas à ce qu'on fait classiquement. Les contrats doivent avoir vraiment des choses spécifiques, des pactes d'actionnaires. Et là-dessus, la demande du Conseil d'État dans l'arrêt Marcel Lacote redevient légitime, car oui, ça ne doit pas ressembler à des contrats habituels, puisqu'on est justement, on doit retrouver le fait qu'on est chez soi pour qu'on soit en prestation de service intégré INARS. Merci, Eric, pour cet éclairage. Merci, Stéphane, et à très bientôt à toutes et à tous. Merci beaucoup, à bientôt.